Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour le 8e jour de notre calendrier de l'Avent Lego City sorti en 2017. Voilà, et donc justement, on est jeudi aujourd'hui, ça tombe plutôt bien parce que, eh bien, parce que voilà, je n'ai pas de fin à cette phrase. Et donc, hier, plutôt le 7, nous avons construit une petite luge que voici, et donc, eh bien, aujourd'hui, on peut peut-être enfin espérer une nouvelle figurine afin de la mettre sur la luge. C'est pas trop demandé. Ça fait quand même quelques jours que j'en parle de cette nouvelle figurine et elle n'est toujours pas présente. Donc on va voir si aujourd'hui, eh bien, sera un peu mieux, ou plutôt si aujourd'hui nous permettra d'avoir une nouvelle figurine, ou alors à nouveau quelque chose à construire. Et donc la réponse tout de suite en image. Et donc oui, alors ce sera une figurine. Par contre, je ne pense pas qu'elle ira sur la luge. Car ça m'a l'air, eh bien, d'être un peu une grand-mère, et donc j'ai pas trop envie que grand-mère se casse la jambe en faisant de la luge extrême. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, voyons plutôt cette figurine. Et donc c'est vrai que là on aura un peu un choc des générations, vu qu'on a eu un enfant en première figurine, et là on a un grand-parent. Donc on passe d'un côté à l'autre. Alors, en termes de figurine, on va mettre ça ici et ça devrait nous permettre logiquement de faire la mise au point correctement sur la figurine. Voilà, incroyable. Alors, laissez-moi juste par contre, parce que c'est vrai que l'effet fait assez sombre. Voilà, comme ceci. La figurine avec un joli pull vert, comme vous pouvez le voir. Et l'arrière aussi qui est très taillé. Donc ça fait plaisir. Voici pour la tête. Alors par contre, je ne sais pas tout si cette tête est exclusive ou pas, je ne pense pas, en tout cas, c'est plutôt cool. Et la coupe de cheveux comme ça en gris. The. Et donc, si on fait un zoom encore plus important, voilà un peu à quoi elle ressemble, notre grand-mère. Et donc, elle va venir avec, eh bien, une petite assiette, ou un plateau, si vous préférez. Des assiettes gris foncé, ça doit sûrement exister, mais c'est quand même assez peu commun. Donc un petit plateau avec des cookies, comme vous pouvez le voir. Ah bah oui, forcément, les cookies de grand-mère. Donc on met ça ici. Fait maison. Voilà. Et donc on a ça. Et honnêtement, eh bien, c'est plutôt cool, je trouve, comme figurine. Elle dégage quelque chose, entre guillemets, quoi. Donc elle a bien la petite ambiance de... Alors par contre, pourquoi lui, il est dans la maison? Il devrait être là, lui, en fait. Donc ça dégage quelque chose avec les petits cookies et grand-mère au coin du feu. Donc c'est plutôt cool. On va la mettre là, voilà. Je pense qu'elle a pile poil sa place ici. Et donc on va refermer cette case numéro 8. Donc honnêtement, bonne surprise. Bonne figurine, je trouve, et qui vient compléter un peu, eh bien, les figurines qu'on a habituellement. Parce que c'est vrai qu'on a souvent, bah, forcément, le Père Noël, mais on n'a pas souvent des personnes âgées, si je ne dis pas de sur le calendrier de l'Avent. En tout cas, je me sens souvent d'enfants ou alors de policiers et autres pompiers. Donc c'est plutôt cool et chouette imprimé, je trouve, au niveau de son pull au vert. Voilà. Et donc demain, eh bien, nous aborderons un nouveau week-end. Si je ne dis pas de bêtises, effectivement, oui, je me suis trompé. On n'est pas jeudi, on est vendredi. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Donc, bien sûr, tout le monde me fera la réflexion et les commentaires, j'en suis sûr. Merci à vous. Voilà. Mais donc voilà, je vais peut-être tromper. Mais donc demain, nous serons plutôt, voilà, je vais arriver vraiment. Le samedi 9 décembre, la case sera en bas ici. Nouveau week-end 2 décembre, et donc eh bien on verra un peu ce qu'on a en termes de construction. Et le train aussi a déraillé, bah, c'est fou ça. Tout a été déplacé, incroyable. Bref, voilà pour ce nouveau jour. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo et surtout la petite surprise d'aujourd'hui. Questions, commentaires, allez-y bien évidemment. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!